Le bien, le mal, la paix, la guerre, le naturel, l'artificiel, la vie, la société. On a tous pour mission d'avoir une vie joyeuse, une vie souriante, une vie pleine d'amour. On veut tous profiter des merveilles de ce monde qui est formidable, immense, surprenant. Vive une vie dans l'amour, la gratitude, le partage, l'abondance. Profitez de chaque instant et se laisser porter par les ailes de la liberté. Cependant, très peu de gens osent vivre leurs rêves par peur d'échouer. Très peu de gens osent laisser s'exprimer le potentiel extraordinaire qui est en chacun de nous. Ils préfèrent se conforter dans une sécurité qui n'est qu'illusoire et se retrouver à la fin de leur vie prisonniers face à eux-mêmes, remplis de regrets avec l'envie de tout recommencer. Aujourd'hui, pour vivre ta vie, ça ne tient qu'à une chose, décide-le. Prendre la décision, c'est pas juste le vouloir. C'est te battre chaque instant pour honorer la seule et unique chose que tu n'auras jamais deux fois. Ta vie, la vie, ton cœur qui bat, ton être. Ce n'est pas les circonstances qui sont importantes, mais ce que tu vas en faire. Ce n'est pas la longueur du chemin qui compte, mais combien de temps tu vas y rester. Le plus important, c'est pas combien de temps tu vas vivre, mais comment tu vas vivre. Ce qui te rendra plus fort, c'est pas le nombre de réussites, mais le nombre de fois où tu vas te relever des échecs. Prends juste ces quelques phrases et tu vas transformer ta vie à tout jamais. Tu vas t'autoriser à utiliser le potentiel qui est en toi pour atteindre tes objectifs, créer la vie qui te correspond et vivre tes rêves. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a encore une flamme en toi. Ne laisse pas ceux qui ont décidé d'éteindre la leur de te pousser à finir comme eux. Tu es libre d'utiliser la lumière, ta lumière, pour rayonner, pour impacter le monde, ton entourage, ta famille. En fait, tu as le choix. Faire de ta vie quelque chose de triste, rempli de peur et de colère. Dire que c'est de la faute des autres et trouver des excuses. Ou prendre la responsabilité, maintenant, de créer la vie qui te correspond. De vivre ta vie, de vivre tes rêves. De terrasser tous les obstacles en persévérant et en restant connecté à ce qui te fait de toi un être unique, un être magique, un être vivant. En fait, un être humain, tout simplement.